Ella Fitzgerald. Aujourd'hui, le 25 avril, nous fêtons l'anniversaire d'Ella Fitzgerald. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'Ella est née en 1917 dans l'état de Virginie aux États-Unis. À sa naissance, son père quitte le foyer et sa mère mourra quand elle aura atteint ses 15 ans. À ce moment, Ella rêve de devenir une danseuse, mais elle se tournera très vite vers la musique. Tout comme Mozart dans ma dernière vidéo, Ella est une preuve pour confirmer la théorie de la capacité musicale biologique. Comme née avec un instrument à la place de sa voix, elle gagne à sa toute première participation un concours de jeunes talents au théâtre Apollo à Harlem. À 17 ans, elle démarre sa carrière musicale aux côtés de Chick Webb, un batteur de swing, ainsi que son orchestre. Après la sortie de son premier tube, Love and Kisses, elle devient avec Billie Holiday et Sarah Vaughan une des premières icônes féminines afro-américaines dans la chanson. Elle se battra d'ailleurs toute sa vie pour lutter contre le racisme aux États-Unis. You were involved in a lawsuit and sued an airline company for racial discrimination. Whatever happened to that? What was the outcome? We won. The important thing was to prove that the fella that said that we were off, he was wrong. Would you do that kind of thing again? What do you mean, sue? Yes. Yes. Mais elle restera discrète face à son engagement. Seule une chanson de son répertoire est orientée politiquement. It's Up to Me and You est en effet un hommage suite à la mort de Martin Luther King. It's up to me and up to you to make his dream come true. C'est alors que le public commence à se prendre d'affection pour Ella, une femme indépendante, d'une humilité hors norme et d'un humour sarcastiquement enfantin. En 1941, après la mort de Chick Webb, Ella entame sa carrière solo, se spécialisant dans le jazz et non plus le swing, qui n'est plus à la mode, et brillant dans ses improvisations de scat et bebop. Elle rentre alors dans la royauté du jazz, en devenant la First Lady of the Song. En gros, dans l'idée, le jazz, il a ses propres monarques. Le King, c'est Joe Oliver. Le Duke, c'est Duke Ellington. Le comte, c'est Count Basie. Ella est la première dame, Lady Day, c'est Billie Holiday, et la grande prêtresse de la soul, c'est Nina Simone. Belle famille, hein? Ella Fitzgerald doit son succès international grâce à sa voix, bien sûr, mais aussi grâce à la sulfureuse Marilyn Monroe. Marilyn prenait des cours de chant, étant donné que les films hollywoodiens de cette époque étaient à 50% des comédies musicales. Son professeur, à la vue de son désespoir, lui conseille d'écouter cette nouvelle artiste, justement Ella Fitzgerald. Elle raconte avoir écouté son album plus de 100 fois, allongée par terre durant toute la nuit. Dès le lendemain, Marilyn appelle le patron du prestigieux club Mocambo à Los Angeles pour lui proposer le deal suivant. Elle fait la promesse de réserver une table au premier rang à chacune des programmations qu'il accordera à Ella. Fitzgerald rentre alors dans l'appréciation du public blanc en plus du public afro-américain. Elle est alors une star internationale. Comme la musique était à l'époque un véritable partage entre artistes, Ella collaborera avec les meilleurs. Cole Porter, Duke Ellington, Count Basie, Peggy Lee, Nat King Cole, Frank Sinatra ou encore Stevie Wonder. Sa collaboration qui a connu le plus de succès est évidemment son album avec Louis Armstrong en 1956. Ella Fitzgerald décide de finir sa carrière en 1992, car son état de santé l'empêche de profiter pleinement lors de ses performances. En effet, Ella souffre d'un gros problème de diabète qui lui causera des soucis de vue jusqu'à l'aveuglement total à la fin de sa vie. Son diabète n'étant pas traité, les médecins devront jusqu'à amputer ses deux jambes en 1993. Le 15 juin 1996, Ella et sa voix si particulière s'éteignent à Beverly Hills à la suite d'un AVC. Elle avait 79 ans. En quelques mots, Ella Fitzgerald, c'est plus de 80 albums et plus d'un demi-siècle de carrière. C'est l'humilité et la douceur à l'état pur, l'amour pour la musique et la musicalité amoureuse d'elle. Trois octaves différentes dans sa voix, plus de 13 récompenses en solo aux Grammy Awards. Ella Fitzgerald, c'est des improvisations de scat, de bebop, jamais égalées. What jazz is? How do you talk about it? Well, the only way I can think of, I have a way
Maybe we could try. Let me hear it. Ella Fitzgerald, c'est la seule chanteuse à avoir posé des paroles sur l'orchestre de Duke Ellington, une des premières femmes à chanter à la Maison Blanche pour le président Ronald Reagan. Et moi, passionnée de musique, je suis pas la seule à lui rendre hommage. En 1985, Ella devient une jazz master. Elle est inscrite au National Women Hall of Fame, une rue à Paris porte son nom, ainsi qu'un astéroïde. Ouais, un putain d'astéroïde. Yes. Elle reçoit les honneurs du Kennedy Center Honors en 1979. Elle est présente au Hollywood Walk of Fame et est commandeur des arts et des lettres en France. Bref, Ella Fitzgerald, c'est la première dame de la chanson, la reine du jazz. Je n'ai pas la chance d'avoir sous mon bras un parolier comme Michel Berger, ni une voix comme celle de France Gall pour composer une chanson en l'honneur d'Ella Fitzgerald. Mais tout de même, merci et très bon anniversaire, Ella.